Série de vidéos sur les fractions, nous allons voir un exercice corrigé sur la somme de fractions. Et on me propose donc de calculer le nombre 1 tiers plus 2 septièmes. On observe d'abord l'opération en présence, il s'agit d'une addition. Et vous devez connaître la règle concernant la somme de fractions. La règle vue dans une vidéo précédente est que pour additionner ou soustraire deux fractions, eh bien il faut les mettre au même dénominateur, puis ajouter ou soustraire les numérateurs, en conservant donc le dénominateur commun. Donc ici, il va falloir les mettre au même dénominateur. On a 3 comme dénominateur pour la première fraction et 7 pour la deuxième. Il va donc falloir trouver un dénominateur commun à 3 et 7. Quels sont les multiples de 3? 3, 6, 9, 12, 15. Pour l'instant, aucun de ces nombres-là n'est multiple de 7. 15, 18, 21 est un multiple de 7 et c'est le premier multiple commun à 3 et 7. Le dénominateur commun va être donc 21e. Donc pour trouver du 21e, je vais multiplier par 7 le premier dénominateur et donc par 7 le numérateur. Et dans la deuxième fraction, multiplier par 3 en bas et par 3 en haut, afin d'avoir bien le 21e voulu. J'effectue donc le calcul, 7 fois 7 21e, qui est donc une fraction exactement égale à 1 tiers, plus 2 fois 3, 6 21e, qui est une fraction exactement égale à 2 septièmes. Nous avons maintenant bien deux fractions de même dénominateur, et la règle me dit maintenant qu'on va ajouter les numérateurs, 7 plus 6, 13, en conservant le dénominateur commun, 21e. Le résultat est donc 13 21e.